Aujourd'hui, en France, seuls 10% des licenciés sont des femmes, contre 40% aux États-Unis. Un jour, je voulais jouer au foot, mais les garçons, ils m'ont dit... Ils voulaient pas me faire la part. Le foot féminin, c'est chiant comme la pluie. Au niveau technique et tactique, elles sont au même niveau. Dans cette vidéo, deux équipes composées de 4 joueurs vont s'affronter. La première uniquement composée d'hommes, la seconde uniquement composée de femmes. Le tout pour savoir qui sont vraiment les plus forts au football. Aujourd'hui, hommes et femmes vont s'affronter dans deux exercices dans lesquels le genre sera la seule différence puisque chaque équipe sera composée de joueuses et de joueurs d'un même niveau. Voilà, alors on n'a plus d'entraînement les mardis et les jeudis parce qu'il fait nuit, tôt et on n'a pas de projecteur. Ah! Oh putain! Le premier challenge sera un exercice de frappe à 20 mètres et le second un mini-match dans le rond central. L'objectif étant de comparer les hommes et les femmes sous différents aspects afin de savoir si le prétendu écart de niveau n'est pas simplement une question de perception comme Orange a essayé de nous le montrer dans sa dernière publicité. Pas mal, c'est français. Aussi, je vous rappelle que nous sommes toutes et tous des joueurs amateurs qui faisons de notre mieux. Si vous voulez voir du haut niveau, je vous conseille plutôt d'aller regarder la Coupe du Monde féminine qui se déroule actuellement en Australie et Nouvelle-Zélande. Pour savoir qui commence, Justine, je suis foumi avec toi, déjà je te serre la main. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une belle vidéo et surtout tu es là depuis le tout début de ma chaîne, donc ça fait très plaisir de te retrouver aujourd'hui. Très bien. Tu es prête? Oui, en un du coup. En un? Ok. Shifumi. Shifumi. Hop là. Ok, donc tu commences. Ça commence bien ça. Parfait. Pardon. Voilà. Honneur aux dames, c'est de la galanterie, les gars. C'est faux, c'est juste que j'ai perdu. J'ai gagné, Shifumi. Vous avez même pas vu. C'est parti, là, let's go, allez. Ouais, on a gagné. Bien vu, Quentin. C'était cadré, moi aussi. Il me fallait une frappe cadrée pour me rassurer. Salma Bacha. Mais Salma Bacha tire bien, hein. Ouais, la petite enroulée, plein axe. Hop là. Un point pour les mecs. La 10. Attention. Ça va, bien vu. C'est cadré, hein. Ellie aujourd'hui a un flow à la Emmanuel Petit. Est-ce qu'il va nous régaler comme lui pendant la Coupe du Monde? Ouais. Yes. Voilà. Ouais, bien vu. C'est bon. Ah, oh là là. On a fait du spectacle. Et oui, Mélissa, voilà. On l'a pas dit, hein, mais on est là pour le spectacle aujourd'hui. Elle s'est mise en mode YouTube. Amandine Henry qui a remporté son duel, qui tente sa chance. Voilà, la frappe qui part à gauche, qui revient à droite. Alors là, moi j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Ellie, c'est un peu comme Justine, avec un zizi en plus. Si c'est des grosses frappes. J'ai entendu Justine et zizi en plus. Moi. Et c'est très perturbant. Oui. Bien joué, Némé. Allez, c'est. Bien joué, ça. À la boulette. Qu'est-ce que c'est quoi depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, je le disais. Je disais attention avec les pieds. Bien joué, René. Oh là 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 là. Oh, elle était belle celle-là. Ça y est, c'est parti. On se réveille un peu là. Oh, wow, la spéciale. La spéciale. Oh, c'est moi qui donne le temps du ballon. C'est mon pied. Bien joué. Oh là là, mais c'est bien joué. C'est Elie Jolin ou Emmanuel Petit là au milieu de terrain là. Je sais qu'est-ce qui se passe. Là, tu peux rien faire. Oh 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 oh. Ouais, papa. Oui, voilà. Bien joué les deux. Il le fait en plus. Bien joué, bébé. Bien joué ça. Bien joué, Mélissa. Bien, mais trop faiblarde. Bravo. Ouais. Nicolas. Super. Ah oui, Célia, bravo. Oh, quelle frappe. Ça, c'est le foot français, James. Ah, ça, c'était beau. Ça. Dimanche matin, 11h. Moi, je peux me la mettre, Mathieu. Excuse. Allez, Mandrou. Oh oui. Bien joué, bébé. Ah, il y a une gardienne de niveau, là. Non. Putain, mais elle lève à chaque fois après. Ah ouais. Tout droit. La même que la première. C'est incroyable. Tout droit. Bacha, une grosse mine comme elle. La même. Un pétard. Voyage, voyage. Refais-la, refais-la, il a pas vu. Refais-la, il a pas vu. T'es un délinquant. Tu es un délinquant. Non, refais, Silvia, refais. Comment ça, d'où t'as le droit de retirer, toi? Mais parce que Lévy, il était devant la caméra. Elle a tiré trop tôt. Quoi? Comment ça, mon ref? Mais parce que Lévy, il était devant la caméra. C'est honteux. Les gars, oui. Ellie, il a remarqué quelque chose. Oui. Je pense qu'on tire pas assez à gauche, parce que je pense que Mélissa elle est moins à l'aise sur sa droite. Oui. Ça vous dit, on insiste un peu à gauche. Allez. On fait ça. Allez. Et l'objectif, c'est qu'Andrew marque, comme ça on aura tous marqué au moins un but. Okay. Allez, let's go. Mec, c'était tellement ça. L'égalisation, c'est maintenant. Alors. Oui. Wow. Yes. Enfin, allez. 2 points d'avance pour nous, les gars. Ça, c'est bon, ça. Allez, mon Quentin, tiens bon. Le ballon dans le but. T'as compris? Non, mais je mets... Ellie, si t'es pas voilà. Avec moi, ça va pas le faire hein. Carton jaune, cadreuse. Carton jaune. Non, mais ça, merde, non, mais là. On peut pas tolérer. C'est pas possible. Non, mais là... Oh. Je m'élance, elle me parle. C'est inadmissible. C'est bon? C'est bon. Tu m'as dit quoi? Parce que du coup, je sais pas ce que tu m'as dit. Et t'as dit de marquer. Le ballon dans le but. D'accord, ça marche. Donc tout ça pour ça. Trop sur lui, trop sur lui. C'est bientôt chauve. Oui. Ça fait une belle boulette pour chaque gardien. Et là, ça fait 5-2 pour les mecs. Là, c'est terrible. Oh la vache! Alors peut-être! Alors peut-être! Quentin, t'as fait tout ce que t'as pu. Celle-là, elle est dure. Il reste combien de temps, Maïli? Mais faut faire le temps d'avant, plus 15 minutes. Je ne vous l'avais pas encore dit, mais la durée de ce premier défi est de 45 minutes. Étant donné que nous sommes à la 37ème, il reste approximativement 8 minutes aux filles pour nous rattraper. Bien joué, Némé! Bien joué, bien sauté, bien joué. Non, non. Eh hey, les gars, faut qu'on en mette un dernier, faut qu'on en mette un dernier. Non. Oh là, ya. Mais oui les gars, ça sent la victoire, oui. Yet, c'est... Bien joué, attention. Ah, dommage, bien joué, tu vois ça sur un côté, ça aurait été très difficile. Ça finit bien. Let's go. On a fait des bons tirs. Magnifique enroulé d'Ellie qui nous ressort sa spéciale pour clôturer de la plus belle des manières cet exercice. Victoire des mecs. Bravo tout le monde. Bien joué mon Ellie. T'as mis quand même quelques buts hein. Bravo. Moi aussi 3 je crois. Ouais. 4. Ouais. Travail d'équipe. Yes. Encouragement de fou. Oui, départ de fou. Bilan de ce premier exercice, globalement ce qui a fait la différence c'est la puissance et pas du tout le fait d'être un homme ou une femme. On le voit par exemple très bien avec Justine, Ellie et moi-même qui avons frappé plus fort que les autres participants. Côté gardien, il y a aussi eu de très belles choses. Malheureusement, Mélissa a fait 2-3 bourdes qui ont pénalisé son équipe. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette maladresse est assez symptomatique dans le foot féminin. Personnellement, j'aime autant regarder le foot féminin que masculin. Il y a seulement ce petit côté maladroit qui gâche un peu le spectacle, selon moi. Par contre, je trouve ça complètement incohérent de comparer le foot féminin et le foot masculin, sachant que les moyens développés ne sont pas du tout les mêmes et que le niveau est très disparate selon les pays. Et en plus de ça, je pense que le foot, c'est le seul sport au monde où on s'embête à comparer autant les hommes et les femmes. Bref, c'était mon analyse sur le sujet. Dans cette vidéo, c'est beaucoup plus facile de nous comparer puisque nous avons tous le même niveau, mais surtout parce qu'on fait ça pour le divertissement. C'est parti, bon match tout le monde. Et c'est parti. Début du second exercice de cette vidéo qui, je vous le rappelle, est un mini-match de 20 minutes en 3 contre 3 dans le rond central. Bien joué. Oh, attention. Oh, bien joué, bien joué. Ça a failli rentrer. Oh, Ellie. Oh, c'est mal joué de Némé. Fini. Allez, rentrez. Oh. Quelle action, quelle frappe de Gladys, mais mon dieu, mais quelle joueuse incroyable! Droite! C'est bien les garçons, je te propose, hein! Oh la tête! C'est sympa! C'est sympa, tu joues, derrière! Avec Quentin! Boum, allume! Voilà! J'ai envie d'y allumer! Boum! 1-0! 1-0, mais t'as pas réagi au but? Non, j'ai pas envie de réagir à ça. Récupéré. Oh pardon. Ça va? Attends, la faute. Faute. Non, c'est que tu m'as accroché le lacet. Dans l'élan du geste, c'est... Bien vu ça. On va Justine à qui est la joueuse importante. Ellie. Oh, Ellie avait un angle de frappe, il ne l'a pas pris. On le connaît, hein, sa fâcheuse habitude d'avoir la tête un peu trop baissée. Et là, est-ce qu'il va la lever? Oh, on applaudit. Et la contre-attaque rapide. Ok, là. Pour les filles. On essaie de mettre la balle au sol chez les gars. Bien arraché de la part d'Elise, il arrive à la glisser. Avec Andrew très vite peut-être. Avec Andrew frappe, Andrew. Ah oh, Ellie. Oh, Ellie. Women. Oh, Ellie l'a effleuré. Il l'a effleuré, wow. Bon, bon, alors ça c'était beaucoup moins effleuré dans le genre. Un petit coup de mouche chez les rouges là. Après une grosse entame. Allez, tente. Cadre. Bien vu. J'avoue, je t'ai pas. Bien joué. Oh, dommage. Allez, on bloque Ellie s'il vous plaît. On a fait la moitié de cette partie. Le score est de 2-0. Oh, Andrew qui hésitait entre une passe et un tir. C'est bon, pied gauche. Lévy, le ballon. Et là, voilà, il faut chercher à faire des appels contre appels. On déstabilise la défense. Et la défense reste en place, nous, c'est notre stratégie. Bien joué, vas-y, c'est. Voilà, quand t'as un gros frappe, putain. Voilà, putain, c'est beau parce que en fait, moi je suis un devin. Est-ce qu'on change les rouges? Il y a les automatismes qui reviennent au fur et à mesure. Oh non, vas-y. Bien là, ça. Ça, c'est un bon gardien, vous voyez, une belle sortie comme il faut. Pas trop tôt, pas trop tard. On est bon. On est bon. Alors chez moi on a attention. Entre les deux, c'est magnifique cette action. Allez, on tient. Ouh, ça passe tout seul. Voilà, la bonne récupération, super. Ça joue très bien et ça la contre-attaque directement. Ça joue très vite, Une belle phase de jeu, très offensive des deux côtés. Oh, c'est beau, Oh. Encore raté. Ça fait beaucoup là, non? C'est un cruel manque de réalisme qu'il y a chez les rouges. On l'a vu dans l'exercice 1, on le voit dans l'exercice 2. C'est la boule au ventre que les filles jouent. Oh mais c'est le Brésil. Oh là là. Sache que Andrew se rate complètement. Oh là là, t'es dur avec lui hein. Pourquoi t'es dur avec lui comme ça? Parce que je l'aime pas. Ellie qui est un petit peu comme moi, des fois cherche un peu trop compliqué. Quentin lui se pose pas de questions. Et voilà. Triplé de l'autre gardien de but pour ce 5-0, c'est sans appel, les hommes sont au-dessus dans cette partie. Alors on voit les femmes un petit peu résignées, ça peut se comprendre parce que si on met bout à bout toutes leurs occasions, je pense qu'elles seraient quand même très proches, ouais, au moins très proches des hommes, qui ont eu moins d'occasions mais qui ont été plus précis. Les bleus qui sont bien devant, les bleus sans E, mais avec 6 buts. 23-0, c'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Allez, dernière action dans cette partie. Bien joué, Justine. Peut-être un but pour les honneurs. Bravo. C'est sur un but de Justine que se termine cet exercice 2. Un match qui aurait été plus que maîtrisé par les hommes grâce à une bien meilleure finition. J'espère que ce format vous aura plu et donné envie de jouer au foot, et ça peu importe si vous êtes un homme ou une femme, le plus important c'est de s'amuser. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une revanche, ça m'a fait vraiment plaisir, je l'ai déjà dit mais c'était un régal. Abonnez-vous, bye. Salut. On vous le dit pas, mais on a fait exprès de les laisser gagner. Tout ça parce que sinon, l'égo masculin.